رمضان 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 اهلا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين Nous allons débuter aujourd'hui notre chronique, nos différentes chroniques, nos trois chroniques sur la question de l'islam et la consommation. Le premier thème aujourd'hui est les voies du cheminement. C'est un thème qui est introductif et qui est primordial, car nous avons une spécificité dans notre religion, c'est que nous ne tolérons aucun intermédiaire dans notre relation avec notre Seigneur. Et comme il n'y a pas d'intermédiaire, Dieu nous a donné des outils, Dieu nous a donné des moyens pour pouvoir accéder à lui. Sans qu'on ait besoin de rien. Les trois moyens sont essentiels à, à comprendre, et vous allez euh, vous rendre compte quel est le, quel est le lien qu'il y a avec la consommation et ses conséquences, et surtout la surconsommation. Le premier des liens est le corps, car l'être humain a été créé d'une manière particulière, il se différencie de toutes les créatures, c'est que il a en lui le souffle de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a demandé à, aux anges de se prosterner devant lui. Donc il a cette lumière qui est une lumière intérieure. Et c'est ce la raison pour laquelle le prophète Mohammed, quand il disait que quand tu doutes de quelque chose, quand tu t'interroges, interroge ton corps. Et en fin de compte, ton corps est le plus grand des savants. Car quand une chose ne t'apaise pas, cette chose-là est certainement mauvaise. Et quand cette chose-là t'apaise, c'est qu'elle est certainement bonne. Donc, ce repère qu'est le corps, un corps sain, est, est essentiel. Et euh, il nous faut cultiver, il nous faut cultiver en permanence cette relation avec soi-même. La première chose à faire pour cheminer vers Dieu, c'est d'abord se poser, c'est d'abord s'interroger, c'est d'abord parler avec soi-même et parler avec son corps, et retrouver cette lumière, cette lumière intérieure que tout être humain, musulman ou non, possède. Mais évidemment, nous ne possédons pas uniquement cette fitra, cette inéité, cette, cette lumière que nous n'avons pas que cela. Nous avons aussi nos passions, nos égaux, nos envies. Et souvent, il est difficile de discerner entre ce qui fait partie de la lumière divine, ce qui fait partie de la fitra et ce qui fait partie de nos passions. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne un second moyen. Ce second moyen, c'est le discernement. C'est la révélation, c'est le forkan, c'est le Coran. Et le Coran est décrit aussi comme une lumière. Et en fin de compte, le Coran est une lumière qui vient éclairer la lumière intérieure. C'est lumière sur lumière. Le Coran nous permet justement de faire ce discernement entre ce qui dans notre corps vient du très haut et ce qui vient de notre, de notre, de nos passions. Euh, et dans ce mois du Coran, justement, dans ce mois de, de Ramadan, justement, euh, il faut rappeler encore l'importance du Coran. C'est essentiel pour notre voie du cheminement. C'est la voie du discernement. C'est la voie de la révélation. Mais le Coran n'est pas seulement une lumière. Le Coran est aussi un signe. D'ailleurs, c'est la traduction littérale du mot ayet, qui est signe. En fin de compte, le Coran, ce sont les signes révélés. Et euh, le Coran, pour nous, est un, est un guide dans notre cheminement sur, sur la voie vers notre Seigneur. Mais évidemment, il faut bien faire la différence entre la révélation du Coran, la révélation divine, qui est une révélation qui est intemporelle, qui est une révélation qui est parfaite, qui est une révélation qui ne souffre pas du lieu et de l'espace, et la compréhension de cette révélation. La compréhension de cette révélation, elle reste humaine, elle reste imparfaite, et elle est temporelle. Et justement, dans ce cheminement, pour pouvoir faire la différence entre juste cette révélation divine et cette compréhension humaine, la compréhension humaine qui est sujette à l'erreur, Dieu nous donne un autre moyen. Cet autre moyen, c'est exactement celui qui a, qui a vécu le Coran et qui l'a transposé dans sa vie. Il l'a concrétisé dans, sa, dans toute sa vie, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle la sunna, est considéré comme étant le deuxième pilier, le deuxième texte référence, car il espécite le Coran, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était un Coran vivant qui marchait sur terre. Et nous, pour comprendre cette compréhension, pour comprendre et pour pouvoir appliquer ces textes et ce signe révélé, nous avons besoin d'un exemple, qui est l'exemple prophétique. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est plus là, il est décédé. Et nous devons encore cheminer vers, vers notre Seigneur. Dieu nous donne, dans son, dans son livre révélé, nous donne le troisième moyen. Le troisième moyen qui est après la consultation dans son propre corps, pour retourner à la, à la fitra, pour retourner à cette lumière divine. Après le second moyen qui est le Coran, qui est le signe de Dieu, qui est la révélation. Dieu nous donne un troisième moyen qui est la création. Et dans, les, dans le Coran... Dieu nous dit toujours d'observer la création. D'ailleurs, pour nos actes cultuels, nous sommes obligés d'avoir un lien continuel avec la création. Les heures de prière se font selon le cycle solaire. La pratique du ramadan se fait selon le cycle lunaire. Donc le musulman doit en permanence être dans l'observation et dans la méditation de la création. Et il n'y a pas de compréhension des signes révélés sans la compréhension des signes exposés. Et les signes exposés, c'est la création. Donc euh, notre cheminement est toujours dans ces trois C. Le, le corps, le Coran, la création. Le corps est une lumière intérieure qui est éclairée par la lumière extérieure de la révélation, qui est le Coran. Le Coran n'est pas que lumière, il est aussi signe. C'est un signe révélé qui se complète avec le signe exposé de la création. C'est ainsi que, fait, que se fait le cheminement du musulman qui n'a besoin de nul intermédiaire, ni d'une voix, d'une institution cléricale qui pourra lui donner le vrai et le faux, euh, ni euh, euh, des compréhensions des textes qui seraient une parole, une parole parfaite. Non, le musulman doit toujours faire ce cheminement entre soi-même, entre les textes de référence et entre la création. Euh, ceci est très important, car dans la société consumériste dans laquelle nous vivons, ce sont ces trois moyens-là qui sont altérés. Quand nous avons un corps qui est dis dissipé à cause de la de, du mode de, de, de notre manière de vivre, de manière de nous comporter, euh, de notre manière de manger, de notre manière de de, de surconsommer, notre manière de gaspiller, de notre manière quand nous avons un cœur qui est perturbé par ça, eh bien on, on on est en train de détruire un des moyens qui nous permet d'accéder à Dieu. Quand en plus dans la société productiviste, on est en train de remettre en cause les règles et l'éthique qui sont présentes dans nos textes, dans le Coran, uniquement pour pouvoir assouvir ces besoins. Je donne l'exemple de. On pourra donner un autre tout petit exemple, cette manière de, de, de se comporter vis-à-vis -vis de, vis -vis de la création, euh, le gaspillage, euh, cette manière de, de se soumettre à toutes les modes. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une mode C'est uniquement le fait de jeter un produit. Euh, qui fonctionne toujours et d'en prendre un nouveau uniquement parce qu'on vous dit que le nouveau est meilleur et ou bien est dans l'air du temps. Euh, exact, et bon on en, a, on en a beaucoup on en a beaucoup. Et cette manière aussi de, 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 de vouloir à tout prix surproduire et de, de, et de vivre dans, en const, constamment dans ce cycle de la production même au dépens de sa propre santé, en surconsommant des viandes par exemple ou, et en, ou bien en détruisant tout notre, tout notre environnement, qui est, notre deuxième, qui est notre troisième référence, tout cela perturbe notre cheminement et perturbe tous les moyens qui nous permettent d'accéder à Dieu. Et pour conclure, euh, je voudrais simplement rappeler les trois C, le, le cœur, le Coran, la création. Faisons dans ce mois de Ramadan, dans ce mois de jeûne, essayons de nous poser. C'est un moment où on se pose et on se parle à soi-même. Essayons de consulter nos corps. De faire en sorte qu'il ne soit pas altéré. Essayons de revenir au Coran, de revenir à ces textes qui doivent guider notre vie. Et essayons d'observer la création autour de nous. La création, ce n'est pas seulement la nature, c'est aussi notre propre corps, c'est aussi notre propre famille. Essayons de revenir sur tous ces trois éléments-là. Essayons de les préserver, car c'est notre seul moyen pour pouvoir accéder à Dieu, le Très Haut, et que Dieu vous récompense pour votre écoute. Merci. Bien. Ramadan. come holy mother come